Comment arrêter de répéter les échecs? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Et je suis également l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver en description ainsi que plein d'autres cadeaux. Alors parfois, on peut avoir l'impression de revivre en boucle, soit on attire le même type de personnes, situations, circonstances, et on se dit mais c'est incroyable, à chaque fois, il y a plein de domaines de vie où ça va, et pour autant, sur ce domaine-là, eh bien j'échoue à chaque moment. Alors, nous on va voir aujourd'hui en 3 points comment est-ce qu'on peut casser cette série d'échecs. On va prendre par exemple l'exemple de Michel, par exemple, que j'avais accompagné à l'époque en judo vétéran. À chaque fois qu'il arrivait en finale de championnat de France, eh bien, il se passait quoi? Il perdait ses finales de championnat de France. Il gagnait en demi-finale, mais en finale, il perdait tout le temps. Et il s'était identifié à moi à l'époque, c'est-à-dire que moi, c'était la même chose, c'est-à-dire que j'ai 5 finales de championnat de France, une seule victoire. Non pas grâce, mais à cause de mon mental. C'est-à-dire que lorsque j'arrivais en finale, eh bien, alors qu'en demi-finale, ça allait bien, j'étais certain que ça allait passer, en finale, je n'arrivais pas à être dedans et je passais à côté de tous mes combats en finale. Donc, j'étais dans cette boucle d'échecs qui revenait en boucle en boucle. Alors, à ce moment-là, il y a vraiment souvent deux points qui sont importants pour les échecs. Le premier point déjà, c'est de voir qu'un échec, on va percevoir un échec parce qu'on va percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices à ne pas avoir eu le résultat sous la forme attendue. Je m'explique. Quand par exemple, je me dis, mais mince, à chaque fois je perds en finale, eh bien je perçois qu'il y a plus d'inconvénients que de bénéfices à perdre en finale. Et donc, ce qui se passe du coup, c'est que je répète ça et je vois ça comme un échec. Sauf que si je prends de la hauteur, si je prends de l'altitude, eh bien, je vais voir que finalement, c'est grâce au fait que j'ai perdu ces finales que j'ai appris autant de choses. Donc finalement, avec le recul, est-ce que perdre en finale était un échec ou était plutôt un échec à court terme pour une victoire à long terme? C'est vraiment important de voir qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des apprentissages. Et que plus on va avoir la pression d'échouer, plus les bénéfices qui vont arriver, les bénéfices cachés vont être grands. Donc ça, c'est la première étape. C'est 1. Il y a échec que lorsque l'on compare à autre chose qui pourrait être mieux et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas de ce qu'on ne sait pas. Et du coup, on perçoit que obtenir cette forme-là, donc pour moi à l'époque, les finales, ce serait mieux que de ne pas les obtenir. Et du coup, on s'empêche de détacher de la forme et de voir qui on est en train de devenir à travers ce processus. Et ensuite, du coup, pour couper ces boucles que l'on perçoit d'échecs, c'est-à-dire que l'on force, on force, on force et pour autant on n'arrive pas à obtenir les résultats, et bien là alors il y a ce qu'on appelle nous la dépolarisation, comme on avait fait avec Michel, c'est-à-dire que là on va aller chercher un élément dans le passé, on va venir enlever le grain de sable qui fait que l'être humain va développer une partie de lui qui va dire ok, cette fois-ci, maintenant j'ai le droit de prendre ma place et j'ai le droit de m'autoriser à être premier et à gagner. Et bizarrement, lorsqu'on va récupérer cette partie de soi en travaillant sur quelque chose souvent qui est dans le passé, eh bien, le système nerveux se dégage et là, on devient libéré, ça devient fluide. Et bizarrement, eh bien, on stoppe la boucle d'échec et on arrive à obtenir notre objectif de manière fluide. Donc voilà, et enfin, c'est revenir à l'étymologie du verbe être. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des fers humains. Et du coup, nous sommes ici sur Terre pour grandir, pour évoluer, pour croître, qui est l'étymologie même du verbe être. Et pour grandir, pour croître, eh bien, la vie va nous amener à développer toutes les parties de nous-mêmes, en fait. Et des fois, ça va être l'arrogant en nous, l'égoïste en nous, le méchant en nous, jusqu'à temps que on soit de plus en plus nous-mêmes et qu'on s'autorise à prendre notre place sans se minimiser et sans s'exagérer. Et quand on fait ça et quand on vit dans notre système de priorité intrinsèque, bizarrement, dans nos perceptions, l'échec disparaît. Et ok, peut-être qu'à un instant donné, je n'ai pas eu mon objectif sous la forme que je l'attendais, mais tant mieux parce que j'ai eu plein d'autres choses qui me correspondent mieux aujourd'hui. Et donc, notre priorité intrinsèque, c'est vraiment de prendre notre place. Et parfois, on se trompe de priorité. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi à l'époque et pour d'autres athlètes aujourd'hui que j'ai accompagné ou entrepreneurs, ma priorité à ce moment-là, c'était d'être quelqu'un de bien. Et du coup, ce quelqu'un de bien, il ne pouvait pas s'autoriser à gagner. Et à un moment donné, quand on enlève ces priorités qui sont des injonctions sociales
extérieur, bah, on peut s'autoriser à être vraiment sur nos réelles envies et du coup bah, prendre notre place et donc briser les barrières qui peuvent être les cercles vicieux des échecs que l'on peut avoir dans la vie. Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, eh bien pensez à mettre le pouce qui fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et si vous avez envie d'aller plus loin, bah, pensez à ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, encore plus vite, eh bien réservez un appel qui est offert avec un coach de mon équipe. Là, vous verrez le point A où vous en êtes, le point B où vous voulez aller et ce qui bloque pour passer du point A au point B et surtout comment l'enlever le plus rapidement possible. Et enfin, n'oubliez pas, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao !